It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice and washes me. God's precious sacrifice. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place. God's precious sacrifice. It's your blood that cleanses me. It's your
God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Indeed, it is your hand. It is your blood. It is your hand. Nothing else. Nothing else. We thank you, Lord. We give you praise. Hallelujah. Mashaliba Bronika, Saliba Bronika, thank you. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes. Kolima Shataliba Bronkliba, who Saliba, yes, have your way, touch our lives. Change the Gaza, your call. Hallelujah. Thank you for what you have done. We have no words, oh God. Yes, to describe your work. Your work is beyond what we can express. Our vocabulary, oh God, is limited. We thank you. We thank you, Lord. Eternally grateful for all that you have done, for all that you have in store. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Have your way, touch our lives. We need you, Lord. We want you now. We want you here. Thank you, Father. We love you. We have no one else but you, Lord. You are, oh God, our help. You are our hope. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, thank you, thank you, thank you. You haven't changed, you are the same. Holy Spirit, have your way, touch our lives, reveal the Father, and glorify Jesus. Hallelujah. Oh, yes. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Hello everyone. Bonsoir tout le monde. Welcome to this call. Bienvenue sur cet appel. We are confident that the Lord will do us good again tonight. Nous croyons que le Seigneur nous fera encore du bien ce soir. We are going to spend a special time again. Nous allons encore passer des moments spéciaux ensemble. In prayer. En prière. But also looking at scriptures. Mais nous allons aussi regarder aux Écritures. And also embracing all that God has in store for us. Et embrasser tout ce que Dieu en réserve pour nous. So we don't know where you're connecting from. Donc nous ne savons pas d'où est-ce que vous vous connectez. Let us know in the comment section. Faites-nous savoir dans la section commentaires. We would like to know if you're watching wherever you're watching from, YouTube, Facebook, or Zoom. Nous voudrons savoir d'où est-ce que vous êtes en train de nous regarder sur Facebook, sur YouTube, sur Zoom. And let us know if the sound is clear on your side. Faites-nous savoir aussi si le son est clair de votre côté. We know that there's like a 20 seconds delay. We're waiting for your signal. Nous savons qu'il y a comme 20 secondes de retard, donc nous attendons votre signal. Hallelujah. Amen. Praise God. Yeah. Yes. I'm told that the sound is clear. We're going to go for our session now. Hey, you are blessed. Vous êtes béni. So much so that God has put his finger on you. Tellement que le Seigneur a placé son doigt sur vous. Not just because he chose you. Pas seulement parce qu'il vous a choisi. Because he wants to do something through you. Mais parce qu'il voudrait faire quelque chose au travers de vous. He wants you to be part of his big, great plan. Il voudrait que vous fassiez partie de son grand plan. And God wants you to not just understand that. Et Dieu ne voudrait pas seulement que vous compreniez cela. He wants to experience it. Mais il voudrait aussi que vous l'expérimentiez. By the way, listen carefully. En passant, écoutez-moi attentivement. The experience of what God has in store for you. L'expérience de ce que Dieu en réserve pour vous. Surpasses your understanding. Of it. Surpasse votre compréhension de cela. So many people just want to understand. Plusieurs personnes voudraient juste comprendre. But God wants you to experience. Mais Dieu voudrait que vous expérimentiez to experience cela. Him. Que vous l'expérimentez. And experience his plan for your et life. Que vous expérimentez ses plans pour votre vie. So let's go as fast as we can in scriptures. Nous allons donc rapidement aller dans les Écritures. I want us to read where we left from last time on Tuesday. J'aimerais que nous commencions là où nous étions arrêtés la dernière fois le mardi. We are in 1 Corinthians chapter 11. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. Now we're looking at verse 27. Nous regardons maintenant verset 27. I'm very much tempted to start all the way again from verse 23. Je suis vraiment tenté de d'aller encore par le verset 23. But there's so much that I believe that God wants us to add on what we said. Mais il y a tellement que le Seigneur voudrait ajouter dans ce que nous avons déjà dit. Things that will help us navigate well with God. Les choses qui vont nous aider à bien naviguer avec Dieu. Things that will help us
pray better when we des pray to God. Qui vont nous aider à mieux prier quand nous prions Dieu. So if you don't understand anything that I'm talking about. Donc si vous ne comprenez rien de ce que je suis en train de dire. As yet. Encore. Stay with us. Restez avec nous. The Lord has a word for you too. Le Seigneur aussi a une parole pour vous. Now, 1 Corinthians chapter 11 verse 27. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 27. The Bible says Paul is writing to the church and he says. Voici ce que Paul écrit à l'église et il dit. He says therefore, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. What is this about? De quoi est-ce qu'il s'agit? What is he talking about? De quoi est-ce qu'il est en train de parler? Okay, I'll try and put everybody on the same page. Je vais essayer de mettre tout le monde sur la même page. Listen, the apostle Paul is writing to this group of people. L'apôtre Paul est en train d'écrire à ce groupe de personnes. These guys are Christ believers. Ces personnes croient en Christ. They had stopped once in their lives. Elles se sont arrêtées une fois dans leur vie. To say yes to Jesus. Pour dire oui à Jésus. To say yes to the God who found them. Pour dire oui au Dieu qui les avait trouvés. And their lot is the lot of everybody. Et leur lot était le lot de tout le monde. All of us, we were lost. Nous étions tous perdus. Some of us are still are. Certains le sont encore. God is wanting to be in communion with us. Dieu voudrait être en communion avec nous. In relationship with us. En relation avec nous. You can't actually impress God through a religion. Vous ne pouvez pas impressionner Dieu au travers d'une religion. No, God wants a relationship. With you. Dieu voudrait d'une relation avec vous. But now we are facing a perfect God. Mais maintenant nous faisons face à un Dieu parfait. A holy God. Un Dieu saint. So we could not and we cannot come to him. Nous ne pouvions pas venir à lui. We cannot access his presence. Nous ne pouvions pas avoir accès à sa présence. Because of our state. À cause de notre état. You know you don't need a drawing. Vous savez nous n'avons pas besoin d'un dessin. You know you're not holy. Vous savez que vous n'êtes pas saint. You know you're not perfect. Vous savez que vous n'êtes pas parfait. All of us, none of us is. Aucun d'entre nous ne l'est. But this is the good news. Mais voici la bonne nouvelle. The perfect God. Le Dieu parfait. So okay, when he saw that the imperfect creature. Quand il a vu que la créature imparfaite. Could not come to him. Ne pouvait pas venir vers lui. Because of the difference in states in nature. À cause de la différence d'état et de nature. But in God. Mais en Dieu. There was so much love for you. Il y avait tellement d'amour pour vous. So much love for me. Tellement d'amour pour moi. That God could not continue living in his perfection. Que Dieu ne pouvait pas continuer de vivre dans sa perfection. Without having you in it. Sans vous avoir avec lui. That is love at the top. Ça c'est l'amour au plus haut niveau. That's the love at the highest level. C'est l'amour au plus haut niveau. Now listen carefully. Maintenant écoutez attentivement. What did God do then? Pourquoi est-ce que Dieu a fait to cela? To solve the dilemma. Pour résoudre le dilemme. God is holy. Dieu est saint. We are not. Nous ne le sommes pas. God is perfect. Dieu est parfait. We are not perfect. Et pas nous. But God loves us. Mais Dieu nous aime. He loves the sinner. Il aime le pécheur. But he hates the sin. Mais il déteste le péché. But how do you now bridge this gap? Maintenant, comment est-ce que nous pouvons mettre un pont dans cette distance? We could not ascend to get to God. Nous ne pouvions pas monter pour aller vers Dieu. Oh, thank God. Mais Dieu merci. That we have a father who stooped down. Nous avions un père qui est descendu. He came down. Il est descendu. The Bible says in the Psalms. La Bible déclare dans le livre des Psaumes. He stooped down to lift me up. Qu'il est descendu pour nous élever. How I love that. Ah, comme j'aime cela. God comes. Dieu est descendu. But how did he bridge the gap? Mais comment est-ce qu'il a relié la distance? How did he not just reduce the gap, but how did he actually remove the gap? Il n'a pas seulement réduit la distance, mais comment il a retiré? Now this is what he did. Voici ce qu'il a fait. Because of our sins. À cause de nos péchés. We deserved death. Nous méritions la mort. All of us. Nous tous. No exception. Sans exception. That's why the same Bible. C'est dans la même Bible. It says that we have all fallen short of the glory of God. Il dit que nous étions tous privés de la gloire all de Dieu. All have sinned. Nous avions tous péché. And we are not worthy to come. Nous n'étions pas dignes de venir. But the God who saw our unworthiness. Mais le Dieu qui a vu le fait que nous ne méritions pas. He saw his son.
Il a donné son fils. Il a semé son fils. He gave his son. Il a donné son fils. He was expecting a return. Il s'attendait à un retour. Why did he give his son? Pourquoi est-ce qu'il a donné Because son fils? Because his son Jesus Christ. Parce que son fils Jésus Christ. In fact, he's not a son of God in the way that your children are your children. Ce n'est pas un fils de Dieu de la manière dont vos enfants sont vos enfants. No, in fact, it means God the Son. Cela signifie Dieu le Fils. It speaks of the role he plays in this mystery of God. Ça parle du rôle qu'il joue dans le mystère de Dieu. Now, Jesus, maintenant Jésus, he became man, est devenu homme. He is God, il est Dieu, who became man, qui est devenu homme. He became one of us. Il est devenu l'un d'entre nous. He lived like one of us. Il a vécu comme l'un d'entre nous. So now he did not sin. Maintenant, il n'a pas péché. So he was perfect. Il était parfait. Il est parfait. In the human category, dans la catégorie humaine, he's the only perfect one. C'est le seul parfait. Now God looked at the perfect one. Maintenant, Dieu a regardé au parfait. And he looked at the imperfect ones. Et il a regardé les imparfaits. And he said the perfect one will carry the consequence of all the imperfect ones. Et il a dit que le parfait va porter toutes les conséquences des choses des imparfaits. In that. En cela, Jesus took our place. Jésus a pris notre place. He died our death. Il est mort de notre mort. And the Bible says, et la Bible déclare after, on the third day, que le troisième jour, after his death, après sa mort, he rose again. Il était ressuscité. So now listen carefully. Écoutez-moi attentivement. He's coming. Il revient. His coming. Sa venue was miraculous. Était miraculeuse. Because God always comes to us. Parce que Dieu vient toujours vers nous. Doing the miraculous. Faisant le miracle. He wasn't born like you and I. Il n'était pas né comme vous et moi. He was born of a virgin. Il était né d'une vierge. That's mysterious and miraculous. Cela est mystérieux et miraculeux. Now this God. Maintenant ce Dieu-là. His coming. Est venu. Was sa venue. Was great. Était grand. Is living. Sa vie, sa manière de vivre. Was exceptional. Est exceptionnel. But these two things, mais ces deux choses, were preparation, étaient des préparations for what he wanted to do for us. Pour ce qu'il devait faire pour nous. He's the only one who knew. Il est le seul qui savait that he was born to die. Qu'il était né pour mourir. Amen. He was born as a man to die. Il était né comme un homme pour mourir. To die for men. Pour mourir pour les hommes. Now the Bible says. Maintenant la Bible déclare. That he was born in that way. Qu'il était né de cette manière. He lived in an exceptional way. Il a vécu d'une manière exceptionnelle. He did not sin. Il n'a point péché. He is perfect. Il est parfait. Now Jesus. Maintenant Jésus. Representing the Father. Représentant le Père. He came and he gave himself. Est venu et s'est donné lui-même. He loved us so much. Il nous a tellement aimés. That he could not go back to his glory. Qu'il ne pouvait pas rentrer dans sa gloire. Without accomplishing the task of redeeming us, of saving us. Sans accomplir la tâche de nous sauver, so de nous racheter. Death you deserve. Maintenant la mort que vous méritiez. The death I deserve. La mort que je méritais. He took it on himself. Il a pris cela sur lui-même. So that we'll have his life. Pour que nous puissions avoir sa vie. Now, back to the text we read. Maintenant, revenons dans le texte que nous étions the en train de lire. Paul is writing to a group of people. L'apôtre Paul écrit à un groupe de personnes. That had said yes to that reality. Qui ont dit oui à cette réalité. People who believed in Jesus Christ. Des personnes qui croient en Jésus-Christ. Who came. Qui est venu. In the flesh. En chair. Who lived. Qui a vécu, who died on the cross, qui est mort sur la croix, and rose from the dead, et ressuscité d'entre les morts. So in his dying, donc sa mort, and his resurrection, et sa résurrection, we have life. Dans sa mort et dans sa résurrection, nous avons la vie. In his living on earth, dans sa vie sur la terre, we have an example. Nous avons un exemple. But his death and his resurrection, mais sa mort et sa résurrection, they empower us, nous capacitent, to live the way he lived, pour vivre de la manière dont il a vécu. I want to tell somebody on the call, j'aimerais dire à une personne sur cet appel, there is a high level of living, qu'il y a un haut niveau de vie, that God is inviting you to, dans lequel le Seigneur est en train de vous inviter. It's to live the way he lived. C'est de vivre de la manière dont il a vécu. He lived in a way that was so in communion with heaven. Il a vécu d'une manière qui était tellement en communion avec le ciel. That nothing on earth could stop him. Que rien sur la terre ne pouvait l'arrêter. I want to tell somebody that is your share, that's your portion. J'aimerais dire à une personne que c'est votre partage. To live in communion with heaven. De vivre en communion avec le ciel. So much so that nothing on earth can stop you.
tellement que rien sur la terre ne puisse vous arrêter. To accomplish, especially to accomplish the agenda of God. Surtout pour accomplir l'agenda de Dieu. Did you hear what I said? Vous avez entendu ce que j'ai dit? And I'm selective in the way I'm using my words. Et je suis vraiment sélectif dans la manière dont je suis en train d'utiliser mes mots. I said communion with heaven. J'ai dit communion avec le ciel. Now, Paul is writing to the Corinthians. Maintenant Paul est en train d'écrire aux Corinthiens. So some of you on this call or on the stream. Certains d'entre vous sur cet appel ou sur cette diffusion. You have also said yes to Jesus. Vous avez aussi dit oui à Jésus. For those who have not yet done that, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, we will try by the grace of God to give you the opportunity to say yes to Him. Nous allons essayer par la grâce de Dieu de vous donner l'opportunité de lui dire oui. Because the truth is, we can't save you. Parce que la vérité est que nous ne pouvons pas vous sauver. But the good news is, mais la bonne nouvelle est, we can introduce you to the Savior. Que nous pouvons vous introduire au Sauveur. Jesus Christ. Jésus Christ. Now Paul, as he's writing to them, maintenant Paul quand il est en train de les écrire, he says, de leur écrire, there is a practice. Il dit qu'il y a une pratique. There's a practice that Jesus established. Que Jésus a établi. I told you on Tuesday it was. I don't want to come back on many things that I said, but it was powerful the way he established it. Je vous ai dit le mardi que c'était puissant la manière dont il a établi he ces took choses. Normal elements. Il a pris des éléments normaux. Gave them a supernatural, extraordinary meaning. Et a donné une signification extraordinaire à cela. That's what he does with everything that comes in his hands. C'est ce qu'il fait avec tout ce qui vient entre ses mains. Your life included. Votre vie est inclue. So when he takes you, quand il vous prend, he takes you normal. Il vous prend de manière normale. As you are. Comme vous êtes. But he gives you meaning. Et il vous donne une signification. He does that with you. Il le fait avec vous. With your family. Avec votre famille. With your activities. Avec vos activités. In fact, he shows you. En fait, il vous montre. What on earth you're here for. Pourquoi est-ce que vous êtes sur la terre? Hallelujah. Amen. And that's what Jesus does. Et c'est ce que Jésus fait. Now he took that normal meal that he was having with the disciples. Maintenant, il a pris ce repas normal qu'il avait avec ses disciples. A traditional meal. Un repas traditionnel. It was it had some religious tendency to it. Cela avait une tendance religieuse. But he did not want to go that route. Mais il ne voulait pas prendre ce chemin-là. Because he was establishing something that reflects a relationship. Parce qu'il était en train d'établir quelque chose qui était en train de refléter une relation. By the way, Jesus established two practices for us. En passant, Jésus a établi deux pratiques pour nous. When I say us, I mean those who gave their lives to Jesus, those who said yes. Quand je dis nous, je parle de ceux qui ont dit oui à Jésus. Two practices. Deux pratiques. An initiatory practice. Une pratique initiatrice. Which is the baptism. Ce qui est le baptême. And a continuous practice. Et une pratique continue. Which is what I'm going to talk about right now. Qui est ce dont je vais parler maintenant. He did that at a particular time. Il a fait ça en un moment particulier. At the night where he was betrayed. Dans la nuit où il fut livré. You know, it's amazing the way the Bible describes that moment. C'est extraordinaire la manière dont la Bible décrit ce moment. I was actually expecting some authors to say. Je m'attendais à ce que certains auteurs disent. At the night where Jesus established the Lord's Supper. Dans la nuit où le Seigneur avait établi la Sainte Cène. But that's not what the Bible says. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. The Bible describes that moment with. La Bible décrit ce moment with a negative event. Avec un événement négatif. Could it be that God is saying, serait-il possible que le Seigneur est en train de se a negative dire, event in your life qu'un événement négatif dans votre vie can be the moment that God will also establish. Peut être le moment où Dieu va aussi établir something that will speak of his work in your life. Quelque chose qui va parler God. De son travail dans votre vie. I feel like I just told somebody something powerful. Je sens que je dois dire à une personne quelque chose de puissant. No, I felt like I just told somebody somebody something powerful. Je sens que j'ai dit à une personne quelque chose de puissant. Because I believe that in your life. Parce que je crois que dans votre vie. Whatever the negative event you're going through right now. Peu importe l'événement négatif que vous traversez en ce moment. God is not limited. Dieu n'est pas limité. To do something in that moment. Pour faire quelque chose en ce moment. That will establish his work for your life. Qui va établir son travail dans votre vie. So in the night he was betrayed. Donc dans la nuit où il fut livré. He is establishing what represents his work for everyone. Il est en train d'établir ce qui sera son travail pour tout le monde. That's what I want to tell somebody. C'est pour ça que j'aimerais dire à une personne. The negative event. Que les événements négatifs. Is not doesn't mean. Ne signifie pas. Or it's not a representation. Ou cela ne sont pas des représentations. Of a negative mission. D'une mission négative. Or a failing life.
ou d'une vie qui échoue. Did you hear what I said? Vous avez entendu ce que j'ai dit? On the night he was betrayed. Dans la nuit où il fut livré. Now Paul says. Maintenant Paul dit. In the text. Dans le texte. He took the bread. Qu'il prit le pain. He broke it. Qu'il le rompit. He blessed it. Qu'il bénit. Okay, he blessed it first. Qu'il a béni d'abord. And then he broke it. Et ensuite il a rompu. And he gave to the disciples. Et il a donné aux disciples. He said, "This is my body given for you." Il a dit ceci est mon corps donné pour vous. And then in the same manner. Et de la même façon. He took the cup. Il prit la coupe. He said, "This is my blood." Et il a dit voici mon sang. In the new covenant with you. Le sang de l'alliance nouvelle. So when he gives this to the disciples. Quand il a donné cela aux disciples. In the writing of the apostle Paul. Dans les écrits de l'apôtre Paul. In 1 Corinthians 11. Dans 1 Corinthiens 11. He says, "Do this in remembrance of me." Il dit faites cela en mémoire de moi. Dr. Luke says the same thing as well. Dr. Luke a dit la même chose aussi. Mark and Matthew don't mention the fact that he said, "Do this in remembrance of me." Mark et Matthieu n'ont pas mentionné le fait qu'il avait dit faites cela en mémoire de moi. But Paul tells us. Mais Paul nous dit. What I have received from the Lord. Que ce que j'ai reçu du Seigneur. I also pass on. Je vous le donne aussi. I again want to open a bracket here. Encore, j'aimerais ouvrir une parenthèse ici. To say. Pour dire. You were created. Que vous avez été créé. To be. To never stop the continuation. Pour ne jamais arrêter la continuité. Of the process of transmission. Du processus de la transmission. In other words. En d'autres termes. God sends things through you. Dieu envoie les choses au travers de vous. In the world. Dans le monde. So what you receive. Donc ce que vous recevez. You pass on. Vous le transmettez. Let me speak to some parents here. Laissez-moi parler à certains parents. Pass on a great legacy to your children. Donnez un grand héritage à vos enfants. What I mean a great legacy. Ce que je veux dire en disant grand héritage. What I mean by that. Ce que je veux dire par là. Is not just a material thing. Ce ne sont pas seulement des choses matérielles. Values. Mais des valeurs. God's principles. Des principes de Dieu. And I want to tell everybody. Et j'aimerais dire à tout le monde. No matter your sector of activity. Peu importe votre secteur d'activité. God wants you to understand. Dieu voudrait que vous puissiez comprendre. He can pass through you so many things. Qu'il peut faire passer au travers de vous plusieurs choses. So don't become a well. Donc ne devenez pas un puits. You must be a river. Vous devez être une rivière. Let it flow. Laissez le flot couler. So Paul says what I have received. Non, Paul a dit ce que j'ai reçu. I pass it on to je vous le transmets, je vous le donne. The night he was betrayed. Dans la nuit où il fut livré. So I told you everything that donc happened. Donc je vous ai dit tout ce qui s'est passé. Now Paul tells them. Maintenant Paul leur a dit. When you do this in remembrance of Jesus. Que quand vous faites cela en mémoire de Jésus. Now verse 27 comes into picture here. Maintenant le verset 27 vient dans l'image ici. He says ici. Whoever eats the bread. Il dit quiconque mange le pain or drinks the cup of the Lord, ou boira la coupe du Seigneur in an unworthy manner, indignement will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. The verse just before this, le verset juste avant celui-là, he told them, il leur dit, every time you do this, chaque fois que vous le faites, not every time you look at it, pas chaque fois que vous regardez à cela, every time you eat the bread, mais à chaque fois que vous mangez le pain, and drink the cup, et que vous buvez la coupe, you proclaim the death of the Lord, vous proclamez la mort du Seigneur, until he comes, jusqu'à ce qu'il revienne. I want to tell everybody on the screen. J'aimerais and dire the call, à toutes les personnes sur cet appel et sur cette diffusion, Jesus, que Jésus is multidimensional, a plusieurs dimensions. He is coming back, il revient bientôt, like physically coming. De manière physique, though he is with us now, bien qu'il est avec nous en ce moment, but I want you to note, mais j'aimerais que vous notiez, there is a time and it's very soon, qu'il y a un temps et cela arrive Jesus bientôt. Is coming back. Jésus revient bientôt. Hallelujah. Nobody knows the time. Personne ne connaît le temps. But he has told us that it's soon. Mais il nous a dit que c'est bientôt. That's the only indication we have. C'est la seule indication que nous avons. That's why we need to live in a way. C'est pour ça que nous devons vivre d'une manière that is pleasing to him now. Qui lui plaise maintenant. That will also be pleasing to him then. Qui va aussi lui plaire. Ce moment-là. So this is very important. C'est très important. He says, "You proclaiming my death." Il dit que vous proclamez ma mort. We have established. Nous avons établi. On Tuesday. Le mardi. That when you proclaim the death of Jesus. Que quand vous proclamez la mort de Jésus. You declaring your life. Vous déclarez votre vie. Every time God breathes out. Chaque fois que le Seigneur expire, you breathe in. Vous inspirez. Did you hear what I said? Vous avez entendu ce que j'ai dit? From the creation account. De la création, à partir de la création. God formed Adam from the dust. Dieu a formé Adam de la boue. God breathed out. Il a respiré, il a soufflé de son souffle. And Adam. Then Adam
breathed in. Et alors Adam a inspiré, il now, a respiré. In restoration. Maintenant dans la restauration. In redemption. Dans la rédemption. I just told you about creation. Je vous ai parlé de la création. But now things went wrong after creation. Maintenant les choses se sont mal passées après la God création. God comes back to restore. Dieu est revenu pour restaurer. Jesus is on the cross. Jésus est sur la croix. As he breathed his last. Comme il est en train de donner sa dernière expiration. And he gives his last breath. Il donne son dernier souffle. The Bible says at that moment. La Bible dit en ce moment-là. The curtain in the temple was torn in two. Le voile au temple s'était divisé en deux. And the Bible says. Et la Bible déclare. The tombs broke open. Que les tombes se sont ouvertes. Dead people came back to life. Que les personnes mortes sont revenues à la vie. That is in the account of Matthew. Ça c'est Matthieu qui raconte now, cela. Listen to me carefully. Maintenant écoutez-moi attentivement. When he breathed his last. Quand il a donné son dernier souffle. You breathe anew. Vous avez eu un nouveau souffle. So God is saying. Donc Dieu est en train de dire. That my body given for you. Que mon corps donné pour vous. It speaks of my death for you. Parle de ma mort pour vous. To redeem you. Pour vous racheter, to restore, pour vous restaurer, to take you in a place, pour vous emmener à un endroit in a position, et à une position where you can spend your whole life où vous pouvez passer toute votre vie with God. Avec Dieu. So he died, donc il est mort for us to have communion pour que God. Nous soyons en communion avec now, Dieu. The Apostle Paul said, maintenant l'apôtre Paul dit when we eat the bread, que quand nous mangeons le pain and drink the cup, et que nous buvons la coupe in an unworthy manner, d'une manière indigne, what does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? He's actually saying you don't if you don't understand what it means. Il dit que si vous ne comprenez pas ce que cela signifie. It is sinning against the body. C'est péché contre le corps. What is that about? Qu'est-ce que cela signifie? So in other words, it says you are if you do it as a religious act. En d'autres termes, cela signifie que si vous faites cela comme un acte religieux. Without meaning. Sans signification. If you do it just because you have to do it. Si vous le faites juste parce que vous devez le faire. No, you are going against what God has done. Vous êtes en train d'aller contre ce que le Seigneur a fait. It is a practice. C'est une pratique. A symbolism. Un symbolisme. That reflects a powerful reality. Qui reflète une réalité puissante. But look at this. Jesus says it's my body. Maintenant regardez à cela. Jésus a dit c'est mon corps. For you. Donné pour vous. You eat it. Vous le mangez. In other words. En d'autres termes. Jesus has given. Jésus a donné. But do you receive it? Mais est-ce que vous le recevez? It must be part of your system. Ça doit faire partie de votre système. What you eat goes in your system. Ce que vous mangez va dans votre système. That's what we call faith. C'est ce que nous appelons la foi. Faith is eating what grace gives. La foi c'est manger ce que la grâce donne. Did you hear what I Vous avez entendu ce que j'ai dit? Somebody on this call. Il y a une personne sur cet the appel. Lord is saying, le Seigneur est en train de dire. I'm providing offering so much. Je pourvois tellement d'offrandes. No, I'm offering so much. J'offre tellement. I'm providing so much. Je pourvois tellement. Are you eating? Es-tu en train de manger? Let's start with the body. Commençons avec le corps. So in this symbolism, donc dans ce symbolisme, we're saying, Jesus, what you gave, nous disons Jésus ce que tu as donné. We take. Nous le prenons. Amen. That's why he say take this. C'est pour ça qu'il dit prenez ceci and eat. Et mangez. Take this. Prenez ceci and drink. Et buvez. When you do that, quand vous le faites, you're making a proclamation. Vous faites une proclamation. It's not verbal. Ce n'est pas verbal. But it's non-verbal. Ce n'est pas une proclamation verbale. Yeah. It's a non-verbal proclamation. Ce n'est pas une proclamation verbale. Okay, cool. I'll flow with you. So he's actually saying it's still a proclamation. Ça reste une proclamation. Even if it's not in words. Même si cela n'est pas en mots. Because everything that is proclaimed in the spirit. Parce que tout ce qui est proclamé en esprit. Is not always in words. N'est pas toujours en paroles. Hallelujah. Amen. Now he says, if you do the proclamation. Maintenant il dit si vous faites la proclamation. And you don't understand. Et que vous ne comprenez pas. He's not saying that you are unworthy. Il ne dit pas que vous n'êtes pas digne. He says if you do it in an unworthy manner. Il dit si vous le faites indignement. After telling us the why. Après nous avoir dit le pourquoi. Or the what. Ou le quoi. Yeah, now he's telling us the how. Maintenant, il nous dit le comment. How do we approach this? Comment est-ce que nous devons approcher cela? Not in an unworthy manner. Pas d'une manière indigne. That literally means. Cela signifie littéralement. You must understand what's behind it. Vous devez comprendre ce qu'il y a derrière but ceci. But the understanding. Mais la compréhension. Must not be mental. Ne doit pas être une compréhension mentale. It must be a heart understanding. Ça doit être un cœur qui comprend. What I mean by that. Ce que je veux dire par là. Is that
Those who can understand in that way. C'est ceux qui peuvent comprendre cela de cette manière. Are only those who have experienced it in their heart. Sont seulement ceux qui ont expérimenté ça dans leur cœur. You can do the symbolism. Vous pouvez faire le symbolisme. But if you have not experienced this in your life. Mais si vous n'avez pas expérimenté cela dans votre vie. You have never said yes to Jesus. Vous n'avez jamais dit oui à Jésus. You'll be approaching the table in an unworthy manner. Vous allez approcher la table d'une manière indigne. If you have said yes to Jesus. Si vous avez dit oui à Jésus. But you're not considerate of what it means. Mais vous ne considérez pas ce que cela signifie. You think it's just one thing. It's a religious thing. It's a right. Vous pensez juste que c'est une chose religieuse. Hein? C'est une chose religieuse, un droit. Non, un rite. Un rite. You will think it's just, you will not have the full experience of it. Vous n'aurez pas toute l'expérience complète de That's cela. That's why he says, don't do it in that way. C'est the pour how. Ça il dit, ne faites pas de cette manière. Le and, comment. And he carries on. Et il continue. To say that if you do that. En disant que si vous le faites. You'll be sinning against the body of the Lord. Vous serez coupable envers le corps du Seigneur and the blood of et le sang du Seigneur. So the whole sect, donc tout l'ensemble what Jesus did for us. De ce que Jésus a fait pour nous. Now imagine. Non, imaginez. You go against God. Aller contre le Seigneur. Aller contre Dieu. I don't know who's gonna save you. Je ne sais pas qui va vous Because sauver. When you go against anything in life, parce que quand vous allez contre toutes les choses dans la vie, God can step in for you. Dieu peut entrer pour vous. But when you go against God, mais quand vous allez contre Dieu, you are doomed. Vous êtes foutu. Condamné. Vous êtes condamné. Forever. Pour toujours. But now listen. Maintenant écoutez. This table. Cette table. This practice. Cette pratique. Which is continuous. Qui est continue. We are to do it as often as we can. Nous devons le faire aussi souvent que nous le pouvons. But he says in the practice. Mais il a dit que dans la pratique. It's not a table to condemn. Que ce n'est pas une table pour condamner. It's not a condemnation. Ce n'est pas une condamnation. It's an invitation. C'est une invitation. That's why he's telling you the how. C'est pour ça qu'il vous dit le comment. If God didn't want to invite you. Si Dieu ne voulait pas vous inviter. He wouldn't tell you how. Il n'allait pas vous dire comment. You understand? You only tell the how. On dit seulement le comment. Because you want the people to come. Parce qu'on voudrait que les personnes viennent. Hallelujah. Amen. And now verse 28. Et maintenant verset 28. Apostle Paul says. L'apôtre Paul dit. A man ought to examine himself before he eats the bread and drinks the cup. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. In other words, am I really believing? En d'autres termes, est-ce que je suis vraiment croyant? Est-ce que je crois Am vraiment? Am I believing? Est-ce que je crois that Jesus came for me, que Jésus est venu pour moi, he shed his blood for me, qu'il a partagé son I sang was pour lost moi. And he found me, j'étais perdu et il m'a trouvé, I was doomed and he redeemed me, j'étais condamné et il m'a restauré. If that is your understanding, est-ce que si cela est votre compréhension, you're passing the exam. Vous êtes passé l'examen. But if that's not your understanding, mais si cela n'est pas votre compréhension, hey, be careful. Faites attention. Because if it's not an experience, parce que si cela n'est pas une expérience, that you cherish, que vous chérissez, that you know to be the best thing that ever happened to you, que vous savez être la meilleure chose qui ne vous soit jamais arrivée, something that guarantees your eternity, quelque chose qui garantit votre éternité, beyond what we see in our time now, au-delà de ce que nous voyons dans les temps actuels, and then if you don't see it like that, et si vous ne voyez pas les choses de cette manière, examine yourself, examinez-vous, hey, repent. Répentez-vous. That's what the word repenting means. C'est ce que le mot repentant signifie. Change the way you think. Changez la manière dont vous voyez. Yes, change the way you think about God, about yourself, and about what He has done. Changez la manière dont vous voyez Dieu, ce qu'il a fait, et pas vous-même. Examine yourself. Examinez-vous. And then the Bible says. Et la Bible déclare. Verse 29. Au verset 29. Hallelujah. The apostle Paul carries on and he says. L'apôtre Paul continue For en disant. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgments on himself. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Apostle Paul is one of these guys that he uses words in different ways. L'apôtre Paul est ce genre de personne qui utilise les mots de manière différente. He plays a lot with concepts. Il joue beaucoup avec les concepts. Because in the previous chapter, parce que dans le verset précédent, he spoke and he told them that we are the body of Christ, the community of believers. Il a dit que nous sommes le corps du Christ, la communauté des croyants. And he tells them that we are one loaf. Et il dit que nous sommes un corps, un pain. And we all partake to the same one loaf.
et nous faisons partie du même pain. We share the same one loaf. Nous partageons le même pain. And now here in chapter 11. Et maintenant ici au chapitre 11. After speaking about the body of Jesus Christ. Après avoir parlé du corps de Jésus-Christ. And the blood of Jesus. Et du sang de Jésus. Representing his death on the cross. Représentant sa mort à la croix. Now he speaks of the same body. Maintenant il parle du même corps. But he says there's another dimension to it. Mais il dit qu'il y a une autre dimension à cela. Because the cross. Parce que la croix. Has this shape. À cette forme. Ici, it's vertical. C'est vertical. And also horizontal. Et aussi horizontal. God is saying. Dieu est en train de dire. My death on the cross. Que ma mort sur la croix. Is for you to have communion with God. C'est pour que vous ayez la communion avec Dieu. But also communion with one another. Mais aussi la communion les uns envers les autres. Now I want to tell you on the call. Maintenant j'aimerais vous dire sur cet appel. You cannot be a follower of Christ. Que vous ne pouvez pas être un suiveur de Christ. If you are not considerate of the people around you. Si vous ne considérez pas les personnes autour de vous. Especially those who have also put their faith in Christ. Spécialement les personnes qui ont aussi placé leur foi en Christ. You cannot love the God who saves you. Vous ne pouvez pas aimer le Dieu qui vous a sauvé. By canceling the brother he also died for. En annulant le frère pour lequel il est aussi mort. Did you hear what I said? Vous avez entendu ce que j'ai dit? You cannot cancel the people that God also died for. Vous ne pouvez pas annuler les personnes pour lesquelles Jésus est aussi mort. In the name of your commitment to God. Au nom de votre engagement because envers Dieu. Parce que ces personnes represent the body. Représentent le corps. So when we come here, donc quand nous venons ici. It's, we come alone, nous venons seuls. But we are not alone. Mais nous ne sommes pas seuls. We come with a mind that says, nous venons avec un esprit qui dit. We are many around the throne. Que nous sommes plusieurs autour du trône. We are many children of the same one father. Nous sommes plusieurs enfants du même père. Now we cannot be celebrating the work of the father nous and the son. Nous ne pouvons pas célébrer le travail du Père et du Fils if we're not considering our brothers and sisters. Si nous ne considérons pas nos frères et sœurs, you have to discern the body. Vous devez discerner le corps. Recognize the body. Reconnaître le corps. Recognize the people. Reconnaître les gens. That's why around this table, c'est pour ça qu'autour de cette table, we share. Nous partageons. It is also a symbolism to say, c'est aussi un symbolisme pour dire God que Dieu est personnel. Et personnel, but not private. Mais pas privé. We are many. Nous sommes plusieurs. I want to tell you, j'aimerais vous dire, if there are people that you holding a grudge against, que s'il y a des personnes pour lesquelles vous avez une rancune, vous regardez quelque chose. When you look at what Jesus has accomplished at the cross, quand vous regardez ce que Jésus a accompli sur la croix, you are not deserving of any kind of forgiveness. Vous ne méritez aucune forme de pardon. But he forgave you. Mais il vous a pardonné. Because of the price he paid. À cause du prix qu'il a payé. On the basis of the price he paid. En se basant sur le prix qu'il a payé. Not on the basis of what people have done against you. Pas en se basant sur ce que les gens ont fait contre vous. Or what you feel in your body. Ou ce que vous ressentez dans votre corps. We also have to forgive. Nous devons aussi pardonner. You need to be aware. Nous devons être conscients. Of the body. Du corps. And recognize the body. Et reconnaître le corps. When you eat and drink. Quand nous mangeons et quand so nous that buvons. You don't drink a judgment against yourself. Pour que nous ne mangeons pas un jugement contre nous-mêmes. Now listen to the next verse. Maintenant écoutez le verset. I'm wrapping this up and then we're going to share the table. Je suis en train de résumer et ensuite nous allons partager. And then we're going to pray. Et ensuite nous allons prier. We have a few minutes to do that. Nous avons quelques minutes pour le verse faire. Verse 30 and 31. Au verset 30 et 31. He says, that is why many among you are weak and sick and a number of you have fallen asleep. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. But if you judged yourselves, we would not come under judgment. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Now, what he's saying here, qu'est-ce qu'il est en train de dire is ici? That because of that lack of recognition, il dit à cause de ce manque de discernement of what the body is, de ce qu'est le corps, we have certain consequences. Nous avons certaines conséquences. How many of you know, combien d'entre vous savez there are certain weaknesses, qu'il y a certaines maladies, infirmités, and certain sicknesses, et certaines maladies, and certain deaths, et certaines morts, that are depending on how we treating the body of the Lord, qui dépendent de comment nous traitons le corps du Seigneur, and those weaknesses, et ces infirmités, those sicknesses, et ces maladies, and those deaths, et ces morts, are not always physical, ne sont pas toujours physiques. Be careful, faites attention, on what you handicapping, dans la manière dont vous handicapez, okay. Yes, on how you
inviting sickness, dans la manière dont vous invitez la maladie, and even death, et même la mort, in different sectors of your life, dans différents secteurs de votre vie, just because you don't see the body of Christ the proper way, juste parce que vous ne voyez pas le corps du Christ de la bonne manière. First, the body as the church, premièrement le corps comme en tant qu'église, but also the body as his death, mais aussi le corps comme sa mort. Yes, the body he gave for us. Le corps qu'il a donné pour if nous. You don't recognize it right, si vous ne reconnaissez, vous ne discernez pas ça correctement. Weakness. Les infirmités. Sickness. Les maladies. Death. La mort. You don't want death. Vous ne voulez pas de cela. So in other words, en d'autres termes, this is the good news. Voici la bonne nouvelle. If we get it right, si vous avez le discernement, we understand the body. Vous comprenez le corps that he gave for us, qu'il a donné pour vous, the body that we are, le corps que nous sommes, as the community of believers, comme la communauté des croyants. Instead of having weaknesses, au lieu d'avoir des infirmités, we have strengths. Nous aurons la force. I want to tell you that there are strengths that we gain. J'aimerais vous dire qu'il y a des forces que nous obtenons when we understand the body. Que quand nous comprenons le corps. That's why you cannot cancel somebody in the body. C'est pour ça que vous ne pouvez pas annuler quelqu'un qui fait partie du corps. In fact, it makes you strong. En fait, cela vous rend plus fort. And if the reversal of what he said in the text, et le revers de ce qu'il a dit dans le texte, is so true, est tellement vrai. So instead of sicknesses, non, au lieu de la maladie, we have a flow of healing. Vous avez un flow, vous aurez un flow de guérison. When we discern the body, quand nous discernons le corps, when you understand why he died, quand vous comprenez pourquoi il est mort, when you understand the people he died for, you understand that he died for many people, quand vous comprenez qu'il est mort pour plusieurs personnes, that you carry and bear in your heart, que vous portez dans vos cœurs. And he says there will be healing. Et il dit il y aura la guérison. Where death has hit. Là où la mort a frappé. Like in the pandemic we're in right now. Comme dans la pandémie dans laquelle nous nous trouvons en there ce moment. There will be life and resurrection. Il y aura la vie et la résurrection. So he's actually saying. Donc il est en train de dire. Discerning the body. Discerner le corps. Comes with resurrection. Vient avec la résurrection. That's why when he gave his body. C'est pour ça que quand il a donné son corps. There was a sign to show. Il y avait un signe pour montrer. Resurrection accompanies his death. Que la résurrection qui accompagnait sa mort. No, to show that resurrection accompanies his death. Pour montrer que la résurrection accompagnait sa mort. Yes, when he died. Quand il est mort. People rose. Les personnes sont revenues à la when vie. When he died. Quand il est mort. On the third day. Le troisième jour. He rose. Il est revenu à why? La vie. Why? Because when he died. Pourquoi? Parce que quand il meurt, resurrection is around the corner. La résurrection est dans le coin. When you understand, you understand the body is given. Quand vous comprenez le corps qu'il a donné. The body, the church. Le corps, l'église. Resurrection is your share. La résurrection est votre partage. And now the apostle Paul wraps it up in an excellent way. Maintenant l'apôtre Paul résume ça d'une manière excellente. And it shows the heart of God. Et il montre le cœur de Dieu. He says even when there have been those judgments. No, mais, follow me. Mais quand nous sommes jugés, no, même follow quand me. Follow même me. Quand il y a eu ce jugement. When there have been those judgments. Même quand il y a eu ce jugement. Of weakness. D'infirmité, of sickness, de maladie, of death, de mort. When we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned with the world. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. So God is saying, donc Dieu est en train de dire there are consequences, qu'il y a des conséquences, but those consequences, mais ces conséquences-là are for correction, sont pour la correction, not for condemnation. Pas pour la condamnation. In other words, God is saying, en d'autres termes, le Seigneur even est en train de when dire as the church, même quand l'Église we have missed it, nous avons gâché tout. We went left instead of going right. Nous sommes allés à droite au lieu d'aller à gauche. No, it's the other way around. Nous sommes allés right à gauche. Is always right. Yes. Nous sommes allés à gauche au lieu d'aller à droite. And God is saying. Et Dieu est en train de dire. Even when we have gone that way. Même quand nous avons pris cette route. And judgment has come on us. Et que le jugement soit venu sur it nous. It is for instruction. Cela est pour l'instruction. It disciplines us. Il nous discipline. For what? Pourquoi? So that you will not fall into condemnation. Pour que nous ne tombions pas dans la condamnation. With the world. Avec le monde. Those who did not say yes to the Lord. Ceux qui n'ont pas dit oui au Seigneur. So in other words, he said. En d'autres termes, il est en train de in, dire. In any case. Que dans tous les cas. God's heart. Le cœur de Dieu. Is to recuperate you. Et pour nous récupérer. To win you. Pour nous gagner. Not to lose you. Pas pour nous perdre.
Hallelujah. Amen. So now you want to be gained and won to God. Vous voulez être gagné à Dieu. By living the consequences. En vivant les conséquences. Or by embracing what He has already revealed. Ou en embrassant ce qu'il a déjà révélé. I rather embrace what He has revealed. Je préfère embrasser ce qu'il a déjà révélé. Because I want to live on this earth. Parce que je voudrais vivre sur cette terre. With the strength He provides. Avec la force qu'il donne. With the health He gives. Avec la santé qu'il donne. And also the life He wants me to express. Et aussi la vie qu'il voudrait que j'expérimente. That's your portion. Cela est votre portion. For you. Pour vous. And your family. Et pour votre famille. So wherever you are, if you also prepare these elements. Donc là où vous vous trouvez, si vous avez aussi préparé ces éléments. Normal elements. Des éléments normaux. But extraordinary meaning. Mais avec une signification extraordinaire. As we do this practice. Comme nous faisons cette pratique. As we do the symbolism. Comme nous faisons ce symbolisme. He took the bread. Il prit le pain. He blessed it. Il le bénit. He broke it. Il rompit. And then he gave it. And then et après il donna. He says, "This is my body." Et il a dit, ceci est mon corps. Given for you. Donné pour vous. So you can take the bread. Vous pouvez prendre le pain. You can take a piece of it. Vous pouvez prendre une and un we morceau. Are going to eat. Et nous allons manger. Some people are afraid of silence. Certaines personnes ont peur du silence. You see, Paul says. Paul a dit. It's a proclamation. C'est une proclamation. It is in the act. Dans l'acte. But not in the in verbs or in words. Mais pas dans les mots. What are we proclaiming? Qu'est-ce que nous sommes en train de proclamer? His death. Sa mort. Until he comes. Jusqu'à ce qu'il revienne. But now listen. Mais maintenant écoutez. The proclamation of his death. La proclamation de sa mort. Is the declaration of your life. C'est la déclaration de votre vie. In the same manner. De la même manière. He took the cup. Il prit la coupe. He said this cup. Il a dit cette coupe. It's a normal cup. C'est une coupe normale. You see, it's this cup. Vous voyez, c'est cette coupe. But I'm giving it a new meaning. Mais je donne à cela une nouvelle signification. Oh, Jesus, I love him for that. J'aime Jésus pour ça. He takes what people see traditional. Il a pris ce que les personnes voient comme traditionnel. And he gives it an extraordinary meaning. Et il donne à cela une signification extraordinaire. This cup. Il dit cette coupe. Is the cup of the new covenant in my blood. C'est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. In other words. En d'autres termes. When my death is on display. Ce que ma mort montre, when my death is on display, quand ma mort is exposed, est exposée, it is a sign of new things. C'est un signe de nouvelles choses. A new covenant. De nouvelle alliance. He says, take it. Il dit, prenez cela. And drink it. Et buvez. All of you. Tout le monde. And the Apostle Paul says, et l'apôtre Paul dit, it looks simple. Que cela paraît être simple. It's not, it's not mystical. Ce n'est pas mystique. But it's miraculous. Mais c'est miraculeux. Because if you have that recognition. Parce que si vous avez cette ce discernement. If you have that discernment. Si vous avez ce discernement. You have strength. Vous aurez la force. Instead of sickness. Au lieu de la maladie. You have health. Vous aurez la santé. Instead of sickness. Au lieu de la maladie. Strength instead of weakness. La force au lieu de l'infirmité. You have health instead of sickness. La santé au lieu de la maladie. Life instead of death. Et la vie au lieu de la mort. God can bring resurrection. Le Seigneur peut apporter la résurrection. Where there has been extermination. Là où il y avait une extermination. Where there has been a crucifixion. Là où il y a une crucifixion. Where there has been an elimination. Là où il y a eu une élimination. Because death with God. Parce que la mort avec Dieu. Is not the last note. N'est pas la harmony that God is putting together. N'est pas la dernière note de l'harmonie que Dieu met ensemble. No, amen. Death is a passage. La mort est un passage. Never the end of the tunnel. The tunnel of God. Ce n'est jamais la fin du tunnel avec Dieu. It's not the end of the tunnel. Ce n'est pas la fin du tunnel. It is a passage. C'est un passage. So when if you feel like death is around. Donc si vous sentez qu'il y a la mort autour de vous. Resurrection is around the corner. La résurrection est juste dans le coin. When God is in it. Quand Dieu est dedans. I want us to pray. J'aimerais que nous puissions prier. I believe some of you have needs that you want to expose to God. Je crois qu'il y a certains d'entre vous qui avaient des besoins que vous voudrez exposer
à Dieu. But we have a great basis here. Mais nous avons une grande base ici. On the basis of what he has already done. En se basant sur ce qu'il a déjà fait. What is it that he cannot do for you? Qu'est-ce qu'il y a qu'il ne peut pas faire pour vous? Alléluia. Amen. The Bible says Paul speaking still into the Corinthians. La Bible dit c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Chapter 15. Au chapitre 15. He says if there is no resurrection. Il dit s'il n'y a pas de résurrection. Then it is in vain that you have believed. Alors c'est en vain que vous avez cru. Your faith is futile. Votre foi est futile. In other words, if God does not restore. En d'autres termes, si Dieu n'a pas restauré. If you don't believe in the God who restores. Si vous ne croyez pas dans le Dieu qui restaure. Then your faith has no sense. Alors votre foi n'a pas de sens. Hallelujah. Amen. So I want us to come before the Lord. Donc j'aimerais que nous approchions du Seigneur. Whatever your problem, your issue, your need is. Peu importe votre problème. Let's raise our voices. Élevons nos voix. And ask God for His grace. Et demandons à Dieu sa if grâce. If He shed His blood. S'il a versé son sang. What is it that He can't do? Qu'est-ce qu'il ne peut pas for faire? For a few minutes, let's pray. Let's pour pray. Pour quelques minutes, prions. Come on, pray. Raise your voice and pray. Seigneur, toi le Dieu Lord de la God, Almighty King of Glory. Toi qui as donné ton we give you honor. We give you praise, and we declare in the name of Jesus, with those joining us on the stream or on this call, we declare, oh God, tonight is the night of change and transformation because of what you have already done. What is it that you can do? Resurrections are around the corner. Of things that we have seen, oh God, exterminated, God, things that we know we need in our lives, in the name of Jesus. Seigneur, je crois que tu peux faire I declare, oh God, restoration. Whatever the need is, whatever the request is, if you give yourself on that cross, nothing is impossible. My God, if you save this for eternity, what won't you do, oh God, in time? Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the basis and the foundation of our faith. The resurrection of our Lord, His death and His resurrection. What saves us, sustains us. What saves us, sustains us. If this work of yours saved us, because this work saved us, it will sustain us. It will give us success in the little things of life. Thank you. In your mighty name we pray. Amen. Amen. I declare healing over your life. Je déclare la guérison sur vos vies. In every single area of your life. Dans tous les domaines de votre vie. Whatever is dysfunctional and sick. Tout ce qui était dysfonctionnel et malade. Receive restoration. Recevez la restauration. In the name of dans Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. That's it for tonight. C'est tout pour ce soir. But just before you go. Mais juste avant que vous ne partiez. Because we're on a special weekend. Parce que nous sommes dans une semaine spéciale. Weekend. Dans un week-end spécial. And people are reminding themselves of what Jesus has done for us. Et les personnes se rappellent de ce que Jésus a fait pour nous. I want you to express your gratitude to Him. J'aimerais que vous exprimiez votre gratitude envers lui. We cannot pay Him back. Nous ne pouvons pas le payer en retour. But we can say thank you. Mais nous pouvons lui dire merci. Not just in words. Pas seulement en mots. I just told you. Je vous ai déjà every dit. Proclamation. Toute proclamation. Is not always verbal. Toutes les proclamations ne sont pas toujours verbales. It's also actionable. It's actionable. It's in action. C'est aussi en action. Hallelujah. Amen. So I want you to do something about it. Donc j'aimerais que vous fassiez quelque chose à propos de cela. First thing. Première chose. Share this video with someone. Partagez cette vidéo avec quelqu'un. That's a way to act. C'est une manière d'agir. To proclaim. De proclamer. That his death and his resurrection. Que sa mort et sa résurrection. Gives meaning to your life. Donne de la signification à votre secondly, vie. Secondly. Deuxièmement. You can contribute financially. Vous pouvez contribuer financièrement. So that together. Pour qu'ensemble. As a body. En tant que corps. We can spread this good news. Nous répandons cette bonne nouvelle. So that wherever there have been weaknesses. Pour que partout là où il y a eu des infirmités, there will be strength. Qu'il y ait la force. Where there have been sickness, là où il y a eu des maladies, there will be restoration. Qu'il y ait restauration. Where there have been deaths, là où il y a eu la mort, there will be resurrection. Qu'il y ait résurrection. We can do this together. Nous pouvons le faire ensemble. That's a way to discern that we are the body. C'est une manière de discerner que nous sommes le corps. Our details will come on the screen. Nos détails vont apparaître sur l'écran. Just after we have we've been taken off the screen. Juste quand nous aurons quitté l'écran. And we urge you to be part of this. Et nous vous prions de faire partie de cela. And as you do that, et quand vous le fait, watch God. Regardez Dieu. He does amazing things. Il fait des choses extraordinaires. To those who partner with him. À ceux qui entrent en partenariat avec lui. God bless you all. Que Dieu vous bénisse. Thank you for being on the stream. Merci d'avoir été sur cette. Thank you for being on the call.
Merci d'avoir été sur. Bye bye for now. Bye. Ciao. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yeah. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. It's your blood that cleanses.